Et c'est le tout aujourd'hui, nouvelle vidéo news sur le jeu Naruto Storm Connection. Donc les gars, plusieurs news ont vu le jour et du coup je vais vous en faire part dans cette vidéo. Du coup j'espère que vous êtes chaud. Et donc on va directement commencer avec la première news qui est un nouveau mode online. Alors dans Naruto Storm Connection, le nouveau mode online n'aura plus rien à voir avec l'ancien. Et donc nous aurons deux types de modes pour choisir lequel nous convient le mieux. Donc il y aura match classé où c'est dit affronter des shinobi du monde entier et viser les meilleurs rangs, rivaliser avec des adversaires d'un niveau de compétences similaire. Donc en gros c'est une ranguette quoi, et nous aurons aussi les matchs occasionnels, donc oubliez le classement et ayez des batailles relaxantes et sans enjeu, utilisez votre ninja préféré et profitez de combats dignes d'animé. Et donc avec ceci les gars, nous avons aussi une nouvelle image qui nous montre la nouvelle facette du mode online, et du coup franchement ça a l'air vraiment stylé, moi franchement j'aime bien, dites-moi en commentaire si vous kiffez. Pour la deuxième news, trois nouvelles attaques combinées ont vu le jour, on ne les voit pas encore en entier mais on a quelques images. Donc il y a l'attaque combinée de Sasuke Boruto, Sarada et Sakura Boruto, l'attaque combinée de Boruto, Naruto, Hokage et Hinata en mode Daon, et de Naruto, Sasuke et Sakura en mode enfant avec les petites oreilles de chat. Franchement, les attaques ont l'air stylées, c'est toujours un petit plus, et moi je dis pas non, franchement, les attaques ont l'air stylées. Vous pouvez voir des images, mais on n'a pas les attaques en entière, malheureusement. Du coup, voilà, celle de Hinata et Naruto a l'air vraiment drôle. Et celle de Sarada, Sasuke et tout, et Sakura ont l'air vraiment stylées, j'ai vraiment hâte de les voir. Et pour finir, nous avons un nouveau mode de fonctionnement, ils appellent ça, donc ça peut être une nouvelle fonctionnalité, je pense. Qui dit n'importe qui peut facilement connecter des combos et implémenter le mode de fonctionnement simple pour profiter d'expressions super animées. Les personnes qui ne sont pas douées dans les jeux d'action peuvent se rassurer en appuyant plusieurs fois sur le bouton d'attaque légère, libérant des ninjutsu flashy et des techniques secrètes. Donc ça les gars, c'est à interpréter comme bon vous semble, parce que moi je n'ai pas trop compris qu'est-ce que ça va rajouter, une nouvelle fonctionnalité, mais quoi, je ne sais pas. On aura peut-être plus d'informations plus tard. En tout cas les gars, je vous tiens au courant. Et donc voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo news. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement c'est le moment. Vous aurez toutes les news du nouveau jeu Naruto Storm Connection quasi instantanément. En tout cas je vous essaye de sortir les vidéos le plus vite possible. Donc n'hésitez pas les gars à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est ciao.